Le Square Gambetta est un jardin extraordinaire et se veut être un jardin novateur à tout point de vue. Bientôt, la mise en place de l'arrosage intelligent. Et aujourd'hui, c'est la lutte biologique contre des parasites, notamment les pucerons, qui est mise en place grâce à un insecte que nous sommes en train de répandre, le chrysope, qui a un autre nom, la demoiselle aux yeux d'or, un nom magique pour un jardin qui ne l'est pas moins et qui permettra de maintenir les rosiers avec la qualité que nous leur connaissons aujourd'hui. Nous avons diminué l'ensemble des traitements phytosanitaires sur la ville de Carcassonne et notamment tout ce qui concerne le désherbage chimique, puisqu'aujourd'hui nous avons diminué la consommation de ces produits d'environ 8% en comparaison avec l'année 2013. Donc, ce qui prouve bien que la ville s'inscrit tout à fait dans cette logique de développement durable. Je vous ai cité l'arrosage intelligent tout à l'heure. Nous utilisons des brûleurs, le désherbage mécanique, tous ces outils qui permettent à la ville de s'inscrire dans le 21e siècle et vraiment dans une gestion durable de l'ensemble de ces espaces verts.